jour, les amis, on va surligner les sons « ou » dans les pages 3 et 4 de Loulou, la poule rousse aujourd'hui. S'il vous plaît, tourne ton livre à la page 3. On va commencer à lire. « Piou! » Ah, j'entends le son « ou ». « Piou! » dit Loulou. Est-ce que vous trouvez d'autres sons « ou » Si tu vois les sons « ou » coloris en jaune. Oui, bravo! Un ici et un ici dans Loulou. Piou, dit Loulou, il y a une mouche dans ma soupe. Oh non, pas une mouche dans la soupe. Je vois le OU dans mouche et j'entends le son OU. Alors je vais colorier. Dans ma soupe, j'entends encore. Une mouche. Alors je ne vois pas le son OU, mais je peux entendre OU. Je vais colorier. Une mouche dans la soupe. C'est dégoût, encore un autre temps, ajoute, un autre ou, loulou, c'est la même chose que ici, le même mot, loulou, alors il y a deux ou. Ok les amis, bravo, quand vous avez fini, tournez la page, on va continuer. Wow, il y a beaucoup de son ou dans ce livre. Loulou, la poule rousse, ah, est-ce que vous pouvez trouver les ou tout seul? Dans la première ligne, je pense que vous connaissez déjà. Il y a quatre ou. Essayez de trouver tout seul. OK, bon travail. Il y a deux dans loulou. Et un dans poule. Et rousse. Super bon. Loulou, la poule rousse, veut écraser la mouche. Oh, j'entends le son ou dans mouche. Avec son pouce. Voilà mon pouce. Mon pouce. P, ou. Ce. Le hibou, ou. J'entends le son, alors je colorie. Du haut de la tour. Oh, j'entends le son ou dans tour. Voici une tour. Des coups, ouvre la mouche à son tour. Il plonge vers la soupe. Dit-il, parce qu'il veut manger cette mouche. Bon, les amis, bon travail avec tout le surlignage. Maintenant, n'oublie pas de lire ton livre encore. Bonne journée, à la prochaine!